mbote nabino, en tout cas, merci les sous nandenge boye déjà na kati ya chaîne nabino www.cntlive.com. Voilà, peuple congolais, Aloubiboué. Voici les propos du président Ken Lelo. Franchement, la RDC est dirigée par des irresponsables politiques qui ne comprennent rien en politique. Wana président kenyen Mutazoko Lobayango, Ngaite Mutuna Lobiango. Le fameux président de la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de soutenir les M23 à l'Est. Moi, papa Inona Ebike, Ezali Bongo, Ezali Soloke, Paul Kagame, Azali ko soutenir M23. Mais ce que nous oublions, peuple congolais, rappelle, M23 est égal à Félix Tshilombo. Félix Tshilombo est égal à M23. Donc, Bazoko servir le même maître. Est-ce que vous comprenez? Tokenesco, Ruto Aloubiboué. Franchement, la RDC est dirigée par des irresponsables politiques qui ne comprennent rien en politique. Le fameux président, soi-disant président de la République démocratique du Congo, Wanangam Nambakissi, a accusé le Rwanda de soutenir les M23 à l'est de la RDC. Mais c'est Félix Tshisekedi qui m'a demandé une force de l'EAC. Donc Félix Tshilombo, à Sengaki Ruto, à soutenir Yena Kadria, EAC, Eastern African Community. Donc Ruto Azoko Lobake, c'est Félix Tshisekedi qui m'a demandé une force de l'EAC. Est-ce que vous comprenez? Sur place, le commandant des forces kenyennes de l'EAC a constaté qu'il s'agissait d'un mensonge inventé par Félix Tshisekedi pour sauver les minerais de Christian Tshisekedi, son frère. Donc, j'ai perdu 47 hommes pour rien. J'ai perdu 47 hommes pour rien avant de demander un désengagement. Donc, le président kenyen Ruto regrette d'avoir perdu 47 hommes. Napamba Kakaboué, Likoloya, Félix Tshilombo, pour sauvegarder Bakare Minier, ya Christian Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez? Ruto ajoute, aujourd'hui, Félix Tshisekedi revient encore pour accuser l'Ouganda et les Kenyans. Ce n'est plus le Rwanda. Comment peut-on avoir un voisin inconstant en politique comme ça? Le président Ruto s'est plaint. C'est pour cacher son incompétence politique que Félix Tshisekedi tente d'accuser le monde entier. Si vraiment les Kenya, l'Ouganda et le Rwanda mettaient en place une force conjointe en collaboration avec les M23 AFC, Félix Tshisekedi ne ferait même pas 2 jours au pouvoir. Ce ne sont pas seulement donc les mensonges au Félix Tshilombo Azali Koloba, mais Azali d'ailleurs Azali complice na makambo nyonso pour asseoir pouvoir au Yamuyibi avec des simulacres des élections ou encore simulacres d'élections au ya 2023 et frauduleusement au pouvoir na 2018. Il aurait fallu que Martin Fayulu Madidi Azwa Ebongawana, dont le peuple l'a élu. Merci encore une fois, peuple congolais. Toujours sur votre chaîne CNT Live, on est ensemble et partagez.